Catastrophique. Le gouvernement et le patronat ont Je pense salué que à ça Rabat les résultats des mesures entreprises en 2018 par l'ensemble des parties prenantes en vue de réduire les délais de paiement et pallier à cette problématique qui impacte dangereusement l'économie, l'entreprise et l'emploi. Notons que les progrès accomplis permettent d'entrevoir l'avenir avec confiance et optimisme. Lors d'une rencontre organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie et des Finances sur le thème « La réduction des délais de paiement, une responsabilité collective », les représentants du gouvernement et de la communauté des affaires se sont félicités des actions menées à tous les niveaux, particulièrement après le discours royal du 20 août 2018, dans lequel Sa Majesté le Roi Mohamed VI a souligné la nécessité de s'atteler sérieusement et en toute urgence à la question des délais de paiement aux répercussions négatives tant sur les relations interprofessionnelles que sur la viabilité des entreprises. Voire d'inhiber la rentabilité. Il y a véritablement beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès parce que, et surtout depuis le discours de Sa Majesté du 20 août, il y a une véritable mobilisation de tous les acteurs pour agir sur quelque chose qui commençait à devenir véritablement un vrai danger pour l'économie et pour les entreprises et pour les emplois. Tous les acteurs, au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de l'Intérieur, collectivités locales, secteur privé, se sont mobilisés pour apporter des réponses rapides. Il y a eu l'accélération du remboursement de la TVA. Il y a un travail aujourd'hui sur la résolution des arriérés cumulés de l'État vis-à-vis des entreprises et qui avaient atteint des montants extrêmement importants. Cette rencontre a été l'occasion pour indiquer que les actions menées par les différents partenaires en vue de réduire les délais de paiement ont permis beaucoup de progrès, mettant en relief à cet égard l'importante mobilisation dont ont fait preuve l'ensemble des acteurs pour agir sur cette question au lendemain des hautes orientations royales.